Jeudi 11 janvier, Maître Christophe Aleya, qui est le conseil d'Alain Delon et qui a aussi défendu Anouchka dans l'affaire qui l'oppose à ses frères, Anthony et Alain Fabien, a accordé une interview au Figaro. Dans les colonnes de nos confrères, l'avocat a évoqué l'éventuel conflit d'intérêts qui pourrait prendre forme, étant donné ses relations avec le père de famille et sa fille. Cash, il a annoncé ne plus représenter juridiquement la jeune femme de 33 ans en expliquant avoir décidé avec elle, pour calmer les débats, qu'elle prendrait son propre avocat pour se défendre. En guise d'explication, Maître Christophe Aleya a indiqué qu'un cap a été passé puisqu'une plainte, pour abus de faiblesse sur Alain Delon, note de la rédaction, a été déposée contre elle par son frère, Alain Fabien. Avant, elle n'était visée que par la main courante d'Anthony, et un article dans Paris Match, qui a vraiment énervé son père, a-t-il développé en faisant référence à l'interview publiée le 3 janvier dernier, révélant les accusations de l'aîné de la famille proférées contre sa sœur dès le mois de novembre. Prenant avant tout le parti du comédien de 88 ans, qui serait très affaibli et dont l'état de santé inquiète jusqu'à son ancienne dame de compagnie, Hiromi Rolin, l'avocat a décidé d'appeler tout le monde à l'apaisement. Supérieur à le style d'Alain Delon en 30 clichés vintage impair démunis face à ce déballage public incessant, on a affaire à un règlement de compte public, avec une sauvagerie et une agressivité médiatique sans limite. Il est temps que ça s'arrête, a-t-il lancé, outré de voir l'ampleur que prend cette affaire, au détriment du patriarche. Tout cela est délétère pour Alain Delon, qui se trouve au cœur de conflits très mauvais pour sa santé. C'est tout ce qu'il déteste, a affirmé Maître Christophe Aleya, assurant que l'homme qu'il conseille voulait unir sa famille, malgré tout. Même s'il a eu des différends avec ses fils par le passé, le clan est très important pour lui, il l'a toujours dit, a-t-il ajouté dans les colonnes de nos confrères. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo. TF1 via Bestimage.